tout essayé avec ce soir Claude Sarraute, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Stevie Boulet et Isabelle Mergaud. Isabelle, dites aux téléspectateurs combien vous êtes heureuse de voir Gérard, Isabelle, Stevie et Claude. Hein? Ah oui, et vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Oui, on se voit tous les jours. On se voit le matin, on se voit le midi, on se voit le soir. Oui, et avec Isabelle, on s'appelle après. Alors... Résultat, on se voit tellement qu'on ne peut plus se voir. Mais Philippe, vous vous voici peu souvent, vous nous manquez, mon cher Philippe. Mais c'est tout vu, mon cher Laurent. Vous êtes un peu décolleté, Stevie, là, ce soir. Ah oui, j'ai envie d'être sexe. Voilà. Mais pourquoi vous avez envie d'être sexe? Parce que les décolletés, je vois pas pourquoi ça serait que pour les femmes. Moi aussi, j'ai envie d'en mettre. Mais enfin, une fermeture éclair comme ça, ça fait un peu... C'est pas parce qu'on a une tête de nœud qu'il faut pas fermer la braguette. Gérard, qu'est-ce que vous faites? Alors... Je m'excuse, c'est... Bon, d'abord, c'est un peu par sympathie avec les agents de l'EDF qui font grève, mais vous savez que je suis un peu inquiet de la privatisation, parce que quand on voit les trains qui ont été privatisés en Angleterre, ça s'est très mal passé. Alors, je prends mes précautions. Si jamais on privatise, comme la plupart des patrons ne sont pas des lumières, je préfère m'éclairer moi-même. Hein. Et c'est un peu prématuré. Hein. Allez, passons tout de suite, si vous voulez bien. À la photo du jour. Cette photo, c'est celle de l'abbé Pierre qui fait la une de France Soir. Il fête, d'après France Soir, aujourd'hui son anniversaire. C'est en tout cas ce que nous dit Journal. Sauf que, si ma mémoire est bonne, déjà au mois d'août, on nous a fait le même coup. Un autre journal avait titré sur les 90 ans de l'abbé Pierre. D'ailleurs, cette dépêche AFP le prouve. J'ai vérifié, parce que quand même, moi, ça commençait à me chiffonnier, cette affaire. L'abbé Pierre a déjà fêté ses 90 ans le 5 août dernier. Alors, je veux bien qu'il n'ait plus très bonne mémoire, l'abbé, mais de là à lui fêter son anniversaire tous les mois, va bien finir par s'en rendre compte, le vieux, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Moi, j'adorerais. Quoi? Ben, qu'on fête mon anniversaire tous les mois, avec des cadeaux, hein. Ouais, justement, faites bien de dire ça, Claude, parce que comme on l'aime bien, l'abbé Pierre, on s'est cotisé, hein, et je lui ai préparé un petit cadeau. Ouais, c'est quand même le chiffonnier d'Emmaüs, alors je me disais qu'un vieux pull de Gérard Miller... C'est très tendance, en fait, ça, hein, aujourd'hui, Stevie. Ah ouais, les trous, ouais. Bah, j'en ai partout, moi, regardez. Oh ben, on sait. Oh ben, pas de détails, je t'en prie. Regarde. Tac, ben tac, voilà. Tac, tac. C'est vachement bronzé, de la jambe, ou c'est... Pourquoi c'est noir en dessous? Ah non, parce qu'il y a des doublures, il y a des tissus. Mais décollant, t'es fou. Non, mais c'est comme ça. Et je suis quand même hyper déçu, moi. Pourquoi vous êtes déçu? C'est les 20 ans de ma sœur et je pensais que c'était... Ça ferait la une de François. Non, mais je pensais que l'abbé Pierre était né le même jour que ma sœur. Eh ben non, pas du tout, puisqu'il est né le 5 août. On peut pas lui fêter tous les mois, mais, quand même. Mais en même temps, c'est normal, on doit le refêter chaque fois qu'il n'est pas arrivé à souffler les bougies. Parce que la fois passée, il avait fait... Voilà. En tout cas, pour son anniversaire, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une petite fête organisée ce soir chez Emmaüs avec sa femme, l'abbé Pierre. Enfin, pas sa femme, sa compagne. Sa compagne. Oui, oui. Non, la fameuse Emmaüs, ce qu'on dit toujours. On dit toujours l'abbé Pierre, compagnon d'Emmaüs. C'est vrai? Mais évidemment. Hein, Claude? Vous n'aimeriez pas avoir l'abbé Pierre comme fiancé? Ah non, quand même. Pourquoi? Bah, parce qu'il est quand même un peu trop vieux pour moi. Ah bah si, bah oui, bah, il a pratiquement 20 ans de plus qu'elle. Ah non, 15 ans. 20 ans, 20 ans de plus que toi. 20 ans. Quelqu'un à qui on a fait sa fête, lui, c'était au mois d'avril dernier, Lionel Jospin. Donc Paris Match nous montre enfin des photos prises à son insu, alors qu'il se promenait, je crois que c'était il y a quelques jours, avec Sylviane, son épouse, au jardin du Luxembourg. Alors ces photos prises par Match ont été en fait subtilisées par des paparazzi à l'insu du couple Jospin. Et ces photos donnent l'impression, si vous feuilletez Paris Match cette semaine, l'impression d'un homme convalescent, que sa femme sort un peu au jardin pour lui faire prendre l'air. Paraît même qu'il a fait un tour du jardin du Luxembourg. Et puis, comme ils ont vu les photographes, tous les deux, une fois de plus, il n'a pas pu faire le deuxième tour. On voit même
Regardez cette photo d'un match. On voit même Sylviane lui acheter les journaux à Jospin. Et ça, elle devrait pas, Sylviane. Ça va nous le miner encore. Ça va nous le déprimer, le Jojo. D'autant plus que s'il lit Libération aujourd'hui, il va tomber sur cet article. Regardez, le titre « Heureux comme Chirac à l'Élysée ». Et si on lit bien l'article, on s'aperçoit que Jacques Chirac ne s'interdirait pas de se représenter à l'Élysée. Et de faire un troisième mandat mais consécutif. Mais j'ai toujours dit, moi j'étais sûre. Pourquoi, d'où vient ce bruit qu'il ne se représentera pas? Donc, évident qu'il va se représenter. D'après cet article, Chirac imagine qu'il pourrait se représenter en 2007 à l'Élysée. Il faut dire qu'élu par 82% des Français au mois de mai dernier, il paraît que le président veut faire mieux la prochaine fois. Auquel cas, il ferait peut-être mieux d'essayer carrément d'en s'installer en Côte d'Ivoire, non? Parmi les fidèles du président Chirac, Jean-Louis Debré, qui depuis qu'il a été élu président de l'Assemblée nationale, ne fait pas l'unanimité au perchoir. Si on lit bien tous les députés, à la Chambre des députés, ça râle auprès de Jean-Louis Debré. On le juge trop interventionniste, trop répétitif. D'après les observateurs, c'est le plus beau perroquet qu'on ait jamais vu sur un perchoir. Regardez d'ailleurs la preuve. Il paraît qu'il répète toujours « Il est bon, Jaco, il est bon, Jaco !» Autre photo dans le journal La Croix, celle de ce superbe roast beef, puisque le steak anglais va pouvoir revenir, vous le savez, dans nos assiettes avec l'annonce hier de la fin de l'embargo sur la vache britannique. Moi, je crois que c'est un peu prématuré, parce que franchement, si réellement les Anglais avaient abattu toutes les bêtes à cornes un peu périmées, la famille royale serait décimée depuis longtemps. On passe tout de suite au cinéma, avec les chiffres par rapport au nouveau film sorti hier, et vu le succès de Johnny Hallyday sur tous les écrans de France, le film de Patrice Leconte tient la dragée haute, on peut le dire, au film de Spielberg avec Tom Cruise, Minority Report, au point que les Américains seraient déjà en train de penser à engager Johnny Hallyday pour des films. À Hollywood, on y pense. Alors, j'ai trois propositions à vous faire. Vous voyez Johnny dans quoi? Par exemple, dans Superman? Il est trop vieux. Non, trop vieux pour... Ah oui, trop alors, vieux. Terminator? Ah, pas mal. Oui. C'est un rôle muet en plus, un Terminator. C'est... Ou James Bond? Ah, c'est pas mal, James Bond. Ah, Isabelle Mergault ferait une superbe James Bond girl, je dois dire. Si elle parle pas et qu'elle se déshabille, oui. On termine par l'actualité. L'actualité des théâtres parisiens avec la première ce soir de notre copain Jean-François Derecq. Sauf que pas de bol pour notre ami Jean-François. Regardez où le journal Le Parisien a placé sa publicité dans ses pages aujourd'hui. Les Français héritent du pire et à côté on voit Jean-François Derecq. C'est pas une photomontage, hein. Le poil revient en force. C'est ce qu'on peut lire un peu partout dans les magazines. Ça paraît curieux d'annoncer ça comme ça, mais c'est vrai, regardez par exemple cet extrait d'un article dans FHM, un magazine masculin. Eh bien, c'en est fini des grands corps androgynes et des crevettes imberbes. Aujourd'hui, on assiste vraiment au retour du mâle, du vrai, qui exhibe sa toison et se laisse pousser la barbe, un peu comme dans la guerre du feu. Que ce soit dans les défilés de haute couture ou sur les publicités, avoir une forte pilosité, c'est au poil aujourd'hui. L'homme à l'état dru, en quelque sorte. C'est ce qui fait vendre, paraît-il. Frigide Barbu, qu'on ne remercie pas toujours d'être venue à tester pour nous, avoir un mari poilu. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, Frigide Barjot. Aujourd'hui, j'ai testé avoir un mari poilu. Bonjour. On vient demander une solution. Eh ouais. Tout ça? Ah bah tout. Là, il s'est rasé hier. Hein. Pas ça. Si. Non. Mais je vous jure. Je me rase trois fois par jour. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous nous proposez comme méthode. C'est Serge Tarme. Je tire, hein. Oh là là, mais vous vous rendez compte, attendez, le front et tout, les ailes du nez, c'est de la torture, là. Mais c'est-à-dire que là, vous allez... Oui, mais ça fait mal, ça. Oui, mais vous vous anesthésiez avant. Pas du tout. L'idée, c'est quand même le visage, d'abord. Non, je vais pas lui faire ça tout de suite, hein. Non, non, pas du tout. Mais... Je me lance pas sur un visage comme ça, non. Celui qu'on torture au rasoir, mique toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Bonjour. Avec mon mari, on vient vous voir en désespoir de cause. Oui. Parce qu'il a un gros problème, il est trop poilu. Pourquoi il veut enlever tout ça? Bah, il en a trop, regardez, il en a regardé les mains. Moi, je peux plus l'embrasser, ça me pique partout, j'ai des rougeurs, des boutons. Je vais vous dire la vérité. Mettez votre poil, tout ça là, dans la main de Dieu. Et ça va passer. Un jour, tout
tout ça là va disparu sur lui comme ça, vous allez voir. Notre couple va très mal, hein. À cause de ça. Bah oui. Oui, oui. Moi ça pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pousse jusqu'à t'entraîner par terre. C'est à vous de l'encourager. C'est toujours votre mari. C'est toujours la même personne. Ouais, enfin, plus moche. On s'en fiche. Je ne parle plus avec vous. Pourquoi vous ne parlez plus avec moi? Non, parce que vous lui torturez, là. Alors, Claude, vous étiez au courant, ça, que le poil est redevenu à la mode? Ben non, je viens de l'apprendre, ouais. Là. Isabelle Alonso, vous saviez? J'interroge les femmes sur ce plateau pour savoir si elles aiment les hommes à poils. Je ne savais pas que le poil revenait à la mode parce que je ne savais pas que ça obéissait à la mode. Je croyais que les hommes avaient des poils ou n'en avaient pas. Et d'ailleurs, je m'en fous complètement. Moi, chez les hommes, ce n'est pas le poil qui m'intéresse. Non, non, mais vous vous trompez. Effectivement, le poil est fonction de la mode parce que si vous en avez, vous pouvez toujours en enlever, enfin vous faire épiler si le poil n'est pas à la mode. Et en revanche, si le poil est à la mode et que vous n'en avez pas, aujourd'hui, il y a des sociétés américaines et allemandes, je crois, qui vendent des touffes de poils que vous pouvez vous coller. Ça s'est toujours fait. Ernest Hemingway avait un postiche de poitrine. Ouais. C'est pas possible. Bien sûr que oui. Et d'hier, il disait un postiche qui n'ont rien. Non. Ça parce qu'il était... On va accueillir tout de suite. Comme si je n'avais jamais eu d'homme poilu. Je sais très bien que vous êtes sur le poil, je l'entends. Mais justement, vous connaissez cette nouvelle invention, Isabelle, c'est pour vous. C'est la brosse à dents rasoir. Donc si vous, tous les matins, vous brossez les dents, vous aussi, en même temps, vous rasez le poil sur la langue. Qui est con. Oui, mais... Oui, Gueluc. Le poil, il est tellement poilu que pour regarder l'heure, il se souffle sur la montre. On va accueillir tout de suite sur ce plateau quelqu'un qui s'y connaît en matière de poils parce qu'il s'occupe des hommes, de leur coiffure, mais aussi de leur aspect esthétique, on va dire. Il est esthéticien, il est coiffeur. Voici Monsieur Marc Delacre. Bonjour. Pas. Le vrai chic parisien. Ah bah oui. Alors, est-ce que c'est vrai que le poil revient à la mode, comme le disent les magazines féminins et masculins? Bah écoutez, pour moi, c'est un peu inattendu. On m'a appelé hier en disant que le poil était à la mode. Donc j'ai testé un peu chez moi toutes mes collaboratrices. Je leur ai demandé. C'était a priori non. Non. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui viennent chez vous pour dire « épilez-moi, enlevez-moi mes poils ». Exactement. Là, on parle, on plaisante et tout. Il y a des gens, ça sort de tous les côtés et que foncièrement, c'est douloureux. Ah oui, mais je veux bien croire. Il n'empêche que dans certains magazines féminins, il n'empêche que sur les podiums de mannequins, il y a même dans les pubs, oui, les hommes sont poilus alors qu'avant, ils étaient imberbes. Non, mais alors, c'est évident qu'il doit certainement, il faut mobiliser un peu l'actualité. Mais si vous voulez, nous, par contre, ce qu'on remarque, nous, c'est ces barbes un peu naissantes, cette élégance un peu italienne, ça marche très bien. Vous avez des pommettes, vous avez des gens qui ont des pommettes complètement poilues, les sourcils, on dirait des monstres. Alors écoutez, on va tester, voir quel est votre goût, mesdames, voilà. Sur ce plateau, vous allez donner votre avis aussi. On va faire venir sur le plateau deux mannequins, un imberbe, un poilu. Alors voici d'abord un mannequin imberbe, c'est Tristan. Maintenant, mannequin poilu, c'est Daniel. Très différent. Très, très, très différent. Isabelle. Je ne sais pas quoi vous dire. Je crains qu'effectivement, le débat soit pas du tout équitable. Au niveau du poil. Ah non, mais attendez, ils sont magnifiques tous les deux. Ben évidemment. Vous me mettez un moche avec poil et un moche sans poil, je vais vous dire aucun. Et là, je dis les deux. Vous Stevie. Êtes marrant, vous. Bah, moi, je suis il est tout ému, du côté du jeune homme, là, parce que moi, j'ai pas de poil, donc... Je suis poilophobe. Vous êtes poilophobe. J'ai horreur de ça. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous le prouve? Oui. Vous voulez que je me déshabille? Allez, on y va. Allez-vous rhabiller. Est-ce que c'est naturel, le fait que vous soyez imberbe, Stevie? Ah bah oui, c'est naturel. Vous vous faites pas épiler? Ah non, je ne fais pas. Bah non, je suis imberbe. Et prêtez votre micro, si j'ose dire, au jeune homme, pour savoir. Oui, c'est naturel aussi. Je m'excuse, mais on fait la part beaucoup trop belle aux imberbes. Je vais poser la question comme Stevie. Est-ce que vous voulez voir mes poils? Oui.
Eh bien, je vais vous les montrer. Mesdames, je m'adresse à la ménagère de moins de 50 ans, qui est très intéressée par mes poils. Madame, voici pour votre ménage. Non, alors ça c'était pour rire. Mais je vais vous montrer de quel bois on sort dans ce show. Admirez. Est-ce que tu en as sur les fesses? Parce que beaucoup d'hommes... Ah non, attends, regarde. Philippe, bah, alors, vous êtes à la mode, Philippe Gueluc. Oui, voilà, c'est-à-dire que je ne l'ai pas été pendant 20 ans, et là, ça revient tout doucement. Mais je voudrais... On ne sait pas, alors, est-ce que les femmes... sont sensibles à un homme poilu. Comme disait Isabelle, c'est l'homme qui compte et pas forcément le poil. Non, c'est important le poil. Bon, mais alors, on s'est pris en photo avant l'émission, Stevie et moi. Ça, c'est la vérité, ça. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage. Maintenant, nous allons échanger les visages pour voir comment serait Stevie avec... La nature est bien faite. Est-ce que je peux poser une question à Tristan et à Daniel? Est-ce que vous, on vous demande moins qu'avant parce que vous êtes imberbe? Est-ce que vous, on vous demande plus parce que vous avez des poils? Est-ce que c'est une vraie mode actuellement? Oui. C'est vrai? Ouais. Et vous, alors, Daniel, on vous appelle de plus en plus. He wants to know whether you get more contracts because you're hairy. Attends, il est français. Il est américain. Oh, je me suis renseigné. Tu parles, tu crois que je fais rien là? Mais attendez alors. Alors, il est vraiment là, parce que depuis tout à l'heure, il rigole à toutes nos conneries. Moi, j'y tiens, il apprécie notre humour. Il rit parce que physiquement, il nous trouve rigolos. So, you work more and more. Yes. I stopped shaving on my own. I didn't want to shave anymore because the razors got so expensive to buy and all the time, so I wanted to save money. Il n'a pas besoin de se raser parce que ça coûte trop cher et maintenant il sauve de l'argent. Moi aussi, j'arrive à traduire. I speak English very well, me too. Ah, hello. It's real. Je peux dire un truc? Oui. Il y a que les poils sous les bras qui sont vraiment pas esthétiques chez les femmes comme chez les hommes, je trouve. C'est vrai. Alors, je suis pas d'accord. Ah, mais moi, je suis d'accord. Non, attends. Oui, même pour une femme, les garçons adorent ça. Les poils qu'elles aient des poils sous les bras. Ben oui, parce que ça fait un autre endroit où ils peuvent mettre leur... Leur quoi? Je crois que Claude voulait nous parler du thermomètre pour prendre la température. Écoutez... Daniel, thank you very much. You're welcome. I am welcome, tant mieux. Et Tristan, merci beaucoup, merci d'être venu. Quant à vous, mon cher Marc Delacre, merci d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet hautement important. Merci de m'avoir invité. Je vous remercie tous. Au revoir. Merci. Allez, autre sujet sportif, celui-là. Et on va pouvoir tous ensemble pousser un grand cocorico. Je ne sais pas si on dit cocorico aussi en matière d'équitation. On dit... Mais sachez en tout cas qu'il y a 15 jours, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ont eu lieu les 4e Jeux équestres mondiaux à Jerez de la Frontera en Espagne. Les Français ont remporté là-bas 7 médailles, dont 4 en or, lors de ce grand concours hippique qui comprenait 7 disciplines, dont le saut d'obstacle, l'endurance et la voltige, entre autres. Une belle performance qui force le respect. La France est un pays de bourrins et donc désormais un compliment pour nous. Alors pour parler ensemble de cette 4e édition des Jeux équestres mondiaux, recevons 2 cavaliers qui sont revenus avec l'or. Voici Jean Teller et Éric Levallois. Bonjour. Alors j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Vous êtes Jean Teller. Voilà. Vous êtes Éric Levallois. Alors vous, c'est le concours complet. Voilà, oui. Alors médaille d'or au concours complet. Voilà peut-être pourquoi vous avez fait la une des journaux à ce moment-là à Paris. Alors le concours complet, il s'agit de faire quoi en cheval donc? Sur un cheval. Avec le même cheval, sur 3 jours, on fait une épreuve de dressage des mouvements sur le plat. Un cross sur des obstacles fixes, une assez grande longueur. Et le 3e jour, on saute des barres mobiles, un peu comme nos camarades du CSO, mais un petit peu plus. Alors, le CSO, c'est... C'est
Mais il faut traduire peut-être pour les obstacles. Le CLE, le concours de saut d'obstacle. Voilà. On va avoir des images peut-être de vous justement en Espagne, à Jerez de la Frontera. Ça, c'est le drapeau français. Oui. Voilà, ça, c'est le concours. Voilà, c'est le complet. C'est l'épreuve de cross. Ah là là, ça y est. Ça, c'est vous, ça? Oui, oui, c'est ça. C'est sur Espoir de la Mare. Bravo, oui, oui. Oui, je sais, parce que moi, je l'ai monté une fois. Allez-y, Isabelle. Moi, je l'ai monté une fois à cheval. C'était pas Espoir de la Mare, c'était Concret de la Flaque. Parce que j'étais sur le cheval, je suis restée une seconde, je suis tombée dans l'eau. C'est pas vrai. Suis... Ah, aussi, j'étais immobilisée près d'un mois. Éric Levallois, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous, vous êtes médaille d'or par équipe. Tout à fait. Alors, avec combien de camarades vous avez partagé la médaille? 4. Alors là, médaille d'or par équipe, il s'agit de faire quoi avec les chevaux? Eh bien, il s'agit de faire... il y a 2 manches, 4 parcours. Il faut faire 2 parcours chacun, donc être sans faute. Est-ce que vous êtes propriétaire, l'un et l'autre, de vos chevaux? Éleveur, on l'a élevé au biberon. Ah, c'est-à-dire qu'il vous appartient depuis sa plus tendre enfance? Exactement. Ah, ça, c'est mieux peut-être de pouvoir monter un cheval qu'on connaît depuis toujours. Oui, il y a une grande complicité entre nous, donc je le connais depuis, je le monte depuis l'âge de 4 ans et c'est sûr que... Mais ça, c'est pareil pour les chroniqueurs, par exemple Stevie, on l'a pris très très jeune, vous verrez, dans 20 ans, 30 ans. Je m'intéresse de plus en plus au cheval, j'étais à un concours de saut d'obstacle le week-end dernier, près de Rambouillet, et j'ai vu des poneys, je ne savais pas qu'il y avait aussi des concours de saut pour les poneys, je ne savais pas que les poneys sautaient aussi l'obstacle. Mais c'est un très bon moyen pour les enfants de se familiariser avec les chevaux. Alors écoute, c'est la première fois que j'allais assister à un concours de saut d'obstacles. J'ai vraiment adoré ça. C'est noble. Il y a un vrai suspense, en plus, il faut bien dire, à chaque obstacle sauté. Enfin, quand il y avait une barre qui tombait, j'entendais dire les gens, si la barre est tombée, c'est pas la faute du cheval. C'est jamais la faute du cheval, c'est toujours la faute du cavalier. Ou la faute de l'obstacle. Non, mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça peut être la faute du cheval? C'est rare. C'est rare, c'est rare. C'est qu'on s'est mal débrouillé, qu'on a visé trop haut pour tel cheval ou qu'on a mal monté. Voilà, donc c'est la faute du cavalier si... C'est mieux de le dire comme ça. On n'accuse pas finalement l'autre, en l'occurrence là, le cheval, d'être fautif. Alors que dans la plupart des sports, on trouve toujours des excuses. Le cheval, il exécute les ordres. Pas du tout, t'excuses le sol qui n'est pas... Alors vraiment, t'as jamais joué au boule, t'accuses le sol... Tu me parles pas comme ça! Si, mais je t'explique comment on joue au boule! Combien coûte un cheval à l'année? Un cheval de haut niveau comme les vôtres? Enfin, cher. C'est difficile à évaluer parce que moi, le mien, il est étalon. Donc, c'est très difficile à évaluer. Ça dépend de la personne qui est en face. De toute façon, on peut acheter des chevaux en parts. Ça se divise en parts comme une société. On peut acheter une part de cheval. Couper les chevaux en quatre. Voilà. Autre étalon, Philippe Geluck. Comment savez-vous? Non, une question, alors répondez-moi franchement. Parce que justement, on parle de couper les chevaux en part. Est-ce que vous avez déjà mangé du cheval? Pour moi, oui. Et Philippe, t'as bien mangé du belge? Non, moi j'ai mangé du chat. Un petit test pour voir si vous connaissez bien votre sport. Savez-vous à quand remonte la première médaille d'or en sport équestre, toutes disciplines confondues? 1912. 17. Ouh là là, attendez. Aux Jeux Olympiques? C'est aux Jeux Olympiques. Hein. 1964? Non, Tokyo. Aux Jeux Olympiques, première médaille d'or en sport équestre, toutes disciplines confondues. 1830? Pour un Français, hein, évidemment. 24. 26. 700 avant Jésus-Christ. Non. C'était à Los Angeles, en 1932. 32. Avec un garçon qui s'appelait Xavier Lesage. C'était un mardi. qui devait monter sur Ten, et c'est en dressage qu'il a obtenu cette médaille d'or. Ah! Bravo. Je les ai coincés. Vous allez avoir un gage. J'ai gagné un cheval. Va falloir sauter quelque chose ou quelqu'un. Dernière question. Éric Levallois et Jean Teller. Quel est le prochain grand rendez-vous? Là, c'était les championnats du monde en Espagne. On est revenu donc avec 7 médailles en tout, c'est ça? 4 médailles d'or. Le prochain grand rendez-vous pour l'équipe de France d'équitation, c'est où et quand? Alors, c'est ça. L'année prochaine, les championnats d'Europe. À Donaueschingen. Oui. Mais bon, il y a toujours au début d'année des concours internationaux type CSIO, même Coupe du Monde qui vont se dérouler dans l'hiver, où là l'équipe de France va se retrouver avec tous les autres cavaliers étrangers pour tirer bien son petit bout de part.
Parfait. Écoutez, on va conclure, non pas en faisant cocorico, comme on a dit tout à l'heure, puisque dans votre cas, il faut faire... Essayez d'énir, voir ce que ça donne. Voilà. Vous faites très bien, cheval. Bravo pour vos médailles d'or. On est fiers de l'équipe de France d'équitation. Merci à tous les deux. Jean Teller, Éric Levallois, merci. 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 Alors que la France se bouscule actuellement au Grand Palais pour voir l'exposition Matisse-Picasso, c'est jusqu'au 6 janvier, profitez-en. La semaine dernière sortait en librairie Picasso, portrait de famille aux éditions Ramsay, un livre écrit par Olivier Picasso, le petit-fils du célèbre peintre. Par le biais d'entretiens avec des proches et la consultation d'archives diverses, Olivier Picasso nous éclaire sur la vie d'un grand génie de ce siècle et en profite pour rétablir la vérité sur un homme qui avait été sévèrement critiqué par Marina Picasso, une cousine de la famille. C'est un peu Dallas, hein, cette histoire-là. En définitive, tout le monde s'accorde à dire que Pablo Picasso n'était pas commode, il n'était même pas à prendre avec des pinceaux, disent certains. Bof, pour nous parler de son livre Picasso, portrait de famille, recevons tout de suite, pour le tester, Olivier Picasso. Bonjour. Alors, je vais essayer de comprendre. Je sais qu'il y a une sorte d'arbre généalogique dans le bouquin, mais quand je dis que c'est Dallas, c'est vraiment Dallas, hein, cette famille-là. Hein. C'est l'image qu'on en donne. Ah, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors vous, vous êtes... Je suis le petit-fils de Pablo et de Marie-Thérèse. Voilà, qui est la deuxième compagne avec qui Picasso est resté plus longtemps, on va dire. Oui, mais c'était déjà la numéro 4 dans son aventure sentimentale. Vous faites un bouquin sur votre grand-père, mais vous ne l'avez jamais rencontré. Absolument. Ça, c'est dingue. C'est-à-dire que pour moi, il était très présent, il était dans la maison, il y avait des dessins, des tableaux, des sculptures, il y avait les souvenirs de ma mère, mais en fin de compte, je ne l'ai jamais rencontré, et c'est peut-être cela qui m'a donné envie de partir à sa recherche, mais en toute objectivité. Il est décédé en 1960 73. 13. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais à peine, même pas 12 ans. 12 ans, mais quand même en 12 ans que vous ne l'ayez jamais rencontré. Ou est-ce que vous n'en avez pas le souvenir ou... Non, je pense que ma mère voulait nous protéger d'un univers qui était devenu très compliqué. À la fin de sa vie, Pablo était très demandé, très célèbre. Alors, c'est pour répondre à un autre livre qui avait été signé... En partie. Marina Picasso, qui, elle, est donc la fille... expliquez-moi. La petite fille de Pablo et d'Olga, sa première épouse. Sa première donc, la fille de Paul, qui, lui, est mort en 75. Olga, c'est aussi le chien de Drucker. Mais je voulais dire, c'est une très bonne idée de l'éditeur d'avoir mis un petit arbre généalogique comme signé, qui est mis... Dans le livre. Toutes les biographies de Picasso sont énormes en général et elles suivent l'ordre chronologique et j'ai voulu que ce soit plus facile. Donc j'ai choisi des thèmes et puis j'ai choisi qu'il y ait enfin un pense-bête permanent. Gérard Miller. Alors, moi je trouve que c'est un livre très très bien. Quand on voit ce qu'est Picasso, moi j'ai vu par exemple il n'y a pas très très longtemps une exposition sur les œuvres de jeunesse de Picasso. Mais il faut voir ça, c'est-à-dire que quand on dit c'est un génie, mais il faut voir ce que sont ses œuvres de jeunesse. C'est fabuleux de créativité, de génie. Et toute son œuvre est merveilleuse. Et c'est le meilleur livre, un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire quand on ne connaît pas bien Picasso, son œuvre? Est-ce qu'il vaut mieux aller voir l'expo Matisse-Picasso? Est-ce qu'il vaut mieux lire votre livre? Mais il faut voir les deux, parce que là, on a l'homme et à l'exposition, on a les œuvres. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas s'en dispenser. Philippe Gueluc. Alors, justement, à propos de cette exposition Matisse-Picasso, est-ce que vous connaissez... On sait que ces deux hommes s'admiraient profondément, mais qu'ils se jalousaient parfois, qu'ils s'envoyaient des vannes, des piques. Est-ce que vous connaissez, et peut-être sans doute, cette anecdote? Un jour, Picasso était chez Matisse, qui lui montre des œuvres, et Picasso lui avait donné quelque chose, et Matisse lui dit, tiens, je te dois un tableau, choisis quelque chose chez moi. Et Picasso regarde, il cherche, et il va chercher derrière un truc vraiment pas réussi du tout. Et il dit, c'est celui-là que je veux. Et Matisse dit, non, prends pas celui-là, il y en a des beaucoup plus beaux. Il dit, non, Picasso dit, c'est celui-là, je l'adore. Et il l'emmène chez lui, il l'accroche chez lui, et puis il reçoit des visiteurs, comme beaucoup de gens passent chez lui, et qui lui disent, c'est quoi cette merde? Oh, ça, c'est Matisse, il n'est pas très en forme pour l'instant. Belle histoire. Vrai, vous croyez? Possible. Moi, Gérard, les anecdotes sur Picasso sont légion. Celle que je préfère, c'est celle de Picasso dînant dans un restaurant. Ah oui, évidemment. Et puis, à la fin du repas, le patron arrive et dit à Picasso, est-ce que vous voulez bien mettre sur la nappe, dessiner quelque chose? Et moi, je vous offre le repas. Il y avait une dizaine de convives. Picasso fait deux, trois traits sur la nappe. Et le patron lui dit, maître, est-ce que vous voulez bien signer? Et Picasso dit, non, je veux bien payer le repas, pas acheter le restaurant. Très joli. Stevie? Tu n'as pas encore parlé, Picasso, ça vous dit quelque chose quand même. Ah bah bien sûr, Picasso, l'inventeur de l'art moderne. Mais
J'aimerais vous poser la question... Putain, c'est... il m'embouche un coin à chaque fois, celui-là. On croyait qu'il allait, bah, qu'il forcément. Allait nous dire c'est un pianiste de génie. Mais non, c'est l'un... Non, mais c'est vraiment... C'est vrai, il n'y a pas d'autre mot. C'est l'inventeur de l'art moderne, et je le pense vraiment. Mais il y a une question que j'ai envie de vous poser. C'est l'Empire Picasso. Qui a hérité de cet empire? Est-ce que vous l'avez dispatché avec tous les enfants, ou c'est resté soit dans une entreprise, ou soit non, mais personne les... Ça n'est pas une entreprise. Mon grand-père était très prolifique. Il avait gardé un nombre d'œuvres incalculable. Et ça a été réparti entre ses enfants et, dans un certain cas, vous dans ses deux petits-enfants. Vous avez croqué, vous, un peu ? Non, pas encore, mais le plus tard possible. Gueluc ! Excusez-moi, c'est peut-être la seule chance de ma vie. Je peux vous demander de me faire un petit dessin et vous signer Picasso. C'est la seule chance pour moi d'en avoir un jour. Vous voulez que je vous dessine une voiture, alors ? Non, vous me dessinez n'importe quoi. Je vous assure que vous êtes très déçu, ça n'aura aucune valeur. Non, mais pour moi, c'est important. Mais en général, c'est vous qui dessinez. Non, mais je vous enverrai un dessin de mon petit-fils quand j'en arrive. Il est décédé à l'âge de 92 ans. Il avait la santé, quand même. L'ai. Merci beaucoup. Le talent n'est pas forcément transmissible au niveau de la peinture. C'est vous le sujet. Il ne vous l'a pas montré. Il est quand même décédé à l'âge de 92 ans. Ça prouve qu'il avait une sacrée santé. Ah, et il a continué à dessiner jusqu'au dernier jour. La veille de son décès, il insistait pour trouver un crayon et encore produire. Alors moi j'ai vu à New York, tu la connais par cœur sûrement, une exposition des derniers dessins de Picasso, ou tableau, je ne sais pas comment tu appelles ça, sur la sexualité. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Mais c'est X. Ah si, j'ai su. Raconte, j'ai su tu l'as c'est. Vu C'est très porno, vous voulez dire. Ah, c'est explicite. C'est superbe. Isabelle Alonso. Alors... Moi, j'ai un point commun avec vous, c'est que moi non plus, j'ai jamais rencontré votre grand-père. Et je me dis que c'est peut-être une chance, parce que finalement, je me demande si c'est parce que vous l'avez jamais rencontré que vous pouvez écrire un livre léger et joyeux sur lui. J'ai l'impression que les gens qui se sont brûlés à sa lumière ont chèrement payé cette rencontre et que c'est un petit peu difficile de fréquenter les génies qui sont des gens infréquentables, même s'ils sont probablement, géniaux. Vous l'auriez probablement plus inspiré que moi. Oh, il m'aurait adoré, moi, je suis sûre, mais bon. Mais pour le reste, j'essaie quand même de ne pas béatifier un grand-père et de rester quand même cohérent. Ce qui est vrai, j'ajoute de l'eau au moulin d'Isabelle, c'est qu'elle a sûrement raison, vous ne l'avez pas connu, donc c'est plus facile de dire que c'était un type bien que quelqu'un qui l'a connu. Je ne vais pas jusqu'au point de dire que c'est un type bien, je dis que c'était un homme pas facile, mais ce n'était pas un homme difficile. Il y a une petite frange qui a été franchie très souvent et qu'il ne fallait pas faire. Je dirais même que pour créer et pour mener à bien une œuvre, il faut être tellement égoïste et tellement obsédé de soi-même qu'on n'a pas de place pour les autres et que pour les autres qui sont là, c'est mortel. Les artistes en général, c'est le cas des artistes en général. Il y a un côté égocentrique qui est nécessaire à leur création. Philippe Gueluc, vous en tant qu'artiste, dessinateur, peintre à vos heures. Non, pas peintre. Mais j'ai vu votre salle de bain. Ah oui, mais là j'ai mis deux couches, c'était du satiné. Hein. Non, évidemment, absolument fasciné par l'œuvre, par l'homme, par mais je me dis que, comme disait Isabelle, des gens se sont brûlés à son contact, mais en même temps, je pense que si on leur avait demandé après s'il fallait le refaire ou non, ils l'auraient refait parce que avant de se brûler, qu'est-ce que ça a dû être bon d'avoir cette chaleur pendant autant de temps, cette chaleur de ce soleil qui irradiait. Je crois qu'on peut pas, on ne choisit pas, mais on en voudrait. Alors, je voudrais vous tester. J'étais sûr que j'allais passer un grand oral. Ah, ben tiens, alors, quelques tableaux, quelques toiles. Parmi celles-là, il y en a une de Picasso. Vous pouvez aussi quand même retrouver les autres. Alors, première toile. Braque, Cézanne. Ouais. Allez, c'est Braque, ça s'appelle Le Compotier. Ah. C'est Georges Braque. Okay. Exactement, bravo quand même. Deuxième toile. Ah non, c'est pas un Picasso. Ça, c'est pas un Picasso. C'est quoi, à votre avis ? Pointe grise ? Non. Non. C'est Fernand Léger. Ouais, j'allais le dire. Oh non. C'est dommage. La femme en bleu. Autre toile. Duchamp. Non. C'est assez facile. Non, mais c'est non. Si, c'est Marcel Duchamp. Non, mais c'est pas un Picasso. Ah, c'est pas un Picasso. Non, c'est Marcel Duchamp. Bravo Philippe Gueluc. Portrait de Georges Duchamp. Autre toile. Ah, il a un doute. Ah oui. Moi, je pense que c'est Picasso. Oui, c'est Picasso à cause du visage. C'est Picasso, la reine Isabeau. Bravo Gérard Miller, bravo Olivier Picasso. Où est-ce qu'on voit les plus belles toiles, en dehors des expos comme ça, temporaires, celles du Grand Palais jusqu'au 6 janvier, où est-ce qu'on peut voir le plus de Picasso actuellement? Oh, je pense que la chance que nous avons en France, c'est le musée Picasso c'est à Paris. Musée, ouais. Parce qu'il représente la dation, c'est-à-dire les droits de succession qui avaient été payés par la famille, et on retrouve toutes les époques, et c'est un cheminement magnifique entre les premières années et puis les toutes dernières. Alors peut-être plutôt que d'aller voir
en premier, on va dire, histoire parallèle, Matisse, Picasso, il vaut mieux d'abord aller au musée Picasso, vous êtes d'accord avec ça? Avec le livre en main. Avec le... Ah, il n'est pas idiot, dites donc. Olivier Picasso, portrait de famille, c'est chez Ramsay, merci Olivier. Merci. Allez, derniers invités, dernier sujet. Un peu de musique ce soir, ça va faire du bien. Puisque depuis mercredi dernier, vous le savez, on peut applaudir au Palais des Congrès à Paris, Cindy, la nouvelle comédie musicale de Luc Plamondon et Romano Musumara, qui revisite, version Tessie, citée, hein, comme vous parlez, Claude, la très célèbre histoire de Cendrillon. À la première parisienne, on a pu apercevoir dans la salle, entre autres, Claude Lelouch, Jean Reno ou encore Céline Dion et son mari qui cachait Stevie, qui était derrière. Tous se sont accordés à dire que le moment où Cindy, interprétée par la célèbre chanteuse Lame, retrouve sa basket, est vraiment très, très émouvant. Présente à cette générale, Perry Cochin, en plein conte de fées, a testé pour nous la citrouille magique de Cendrillon. Regardez cette caméra cachée par Marcel Bélanger. Bonsoir, Perry Cochin au Palais des Congrès. J'ai testé la citrouille magique de Cendrillon. Pas trop lourd? C'est un cadeau, parce qu'à la fin du spectacle, si vous la gardez sur vos genoux, elle se transforme en un magnifique cadeau. Et on sait que vous venez de vous marier, donc... Je passe le spectacle avec un truc de 25 kilos sur les genoux. Oui. J'ai une citrouille de 25 kilos, tiens. Eh, tu peux la coucher au bas. Mais non, parce que si on la garde toute la soirée sur les genoux, on a un gros cadeau. C'est pas vrai. Une citrouille pour vous. Très bien. Je fais quoi? Sur vos genoux, jusqu'à la fin du spectacle. Non. Si. Non. Magnifique cadeau. Mais bien sûr que non. Cadeau dedans? Oui, énorme cadeau. Sur les genoux, je peux la supposer? Bien sûr. Oui, bah non. Si, 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 énorme non. Cadeau à la sortie. On prend le cadeau tout de suite? Ah non, c'est à la sortie. Alors, pas de citrouille. Nous? Merci beaucoup. Elle se transformera en magnifique cadeau à la fin du spectacle. Merci, comme c'est gentil. Je vous ai déjà vu quelque part. Peut-être. Dans une partouze chez Jean-Jacques Goldman, je me trompe? Non. Quand minuit vient de sonner, tu t'enfuis loin du palais. Je vais pas cette citrouille. Si, il faut. You want to take it with you? No, they told me that I should take it with me. I don't care. Pouvez-vous garder la citrouille pour madame jusqu'à la fin de la Absolument. Soirée? Formidable. Voilà. Merci beaucoup pour le cadeau. Hein. Il n'y a que moi qui me suis fait avoir comme ça? Non, non, ils sont tous avec. D'accord, ok. Je vous la laisse, d'accord? Pas de carrosse ce soir. Oh là là, non, non, elle est lourde. Non, elle est trop lourde. Enfin, bonne soirée. C'est qui va soigner le lumbago après? Encore moi. Et c'est quoi le cadeau? Ah, c'est la surprise. Ah. Mais il n'y a pas une bête dedans? Ah non. Et qu'est-ce que j'en fais si sur vos genoux? Mais oui, mais si je peux plus la tenir, je la laisse tomber? Vous la donnez à votre voisine. Ah bon, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que je vais en faire? Elle est à vous. Ah, mais tu rigoles. Mais tu me vois rentrer avec ça? Ils sont tous rentrés avec, hein, je vous rassure, vous ne serez pas ridicule. On peut vous offrir une citrouille? Alors, bah, écoutez, pourquoi pas? Qui, à la fin du spectacle, va se transformer en magnifique cadeau. Ah, formidable. Et ça saute à quelle heure? Ah, minuit! Perry Cochin, à la générale de Cindy au Palais des Congrès. Il y avait du beau monde, là, cette générale. Je veux dire qu'on a rarement vu. Parterre de stars. C'est vrai? C'est hallucinant. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Céline Dion, Catherine Lara, Véronique Sanson. Non, on te demande les stars. Moi On va accueillir deux personnes qui y étaient, mais sur scène. Elles jouent les demi-sœurs de Cindy, Tamara et Petula. Leurs vrais noms sont deux chanteuses que vous connaissiez déjà, Assia et Karine. Vous avez le vilain rôle hein, dans cette pièce, parce qu'elles sont pas très sympathiques, les sœurs de Cendrillon. Au contraire. Oh, non, on est très gentils, nous. C'est des petites pestes rigolotes, tu sais pas. C'est vrai? C'est rien de très Vous avez accepté facilement de jouer les vilaines sœurs de Cindy? Ah, tout de suite. Tout de suite? Quand il s'agit de Plamondon, on réfléchit pas énormément, quoi. C'est vrai? Ouais. On est loin de la Cendrillon de Walt Disney. Voilà, il a refait un peu Cendrillon à sa manière, en fait. Déjà, le titre, ne serait-ce que le titre de la chanson que vous interprétez toutes les deux, Karine et Assia, Samedi soir au Galaxy, on sent quand même que là, on est loin de l'univers de Walt Disney. Hein. Oui. Bah, c'est le bal moderne, quoi. Ah ouais, c'est vachement moderne. Les filles, elles vont au bal pour trouver un mari. Attends, c'est top, super moderne, on n'a jamais vu ça avant. Alors là, je suis trop épatée, parce que c'est moderne sur la forme.
Mais alors sur le fond, c'est pas seulement que c'est vieillot, c'est que c'est carrément réac, quoi. C'est-à-dire? Bah déjà il y a ça, le coup du prince charmant. Alors moi le prince charmant, c'est un mec qu'il faudrait mettre sa tête à prix, quoi. Parce que c'est... ça fait rêver les filles sur un truc qui n'existe pas. Tu l'as jamais trouvé, toi, le prince charmant? Mais personne ne l'a jamais trouvé. C'est une comédie musicale destinée aux jeunes. C'est sûr que toi, à 40 ballets, tu vas pas, tu as pas le même prince charmant que nous, les jeunes renards. Dis pas n'importe quoi. C'est pour les jeunes. Excuse-moi Stevie, mais je sais de quoi je cause. Et je pense que si le message s'adresse à des filles de 14 ans, il faut qu'il y ait un peu un truc éducatif. Mais c'est dommage. Autre que... Attends, et dis-moi, mais si Cendrillon avait 40 balais, il fera un petit peu plus propre chez elle. Non, mais juste, je veux dire, juste un petit détail sur les paroles. Il y a la maman de Cindy qui chante, elle dit... Mon manager m'a transformée en ménagère et en mégère. Non, non, elle n'est pas mégère et ménagère. Elle est quand même... c'est une disco queen sur le retour. Et elle dit que le jour où elle s'est mariée avec son manager, il l'a transformée en mégère et en ménagère. C'est-à-dire qu'elle avait des rêves de strass et de paillettes. Donc elle s'est mariée, elle est devenue une mégère. Ah ben, si je peux me permettre, c'était quand même déjà le cas dans le Cendrillon ou le Disney. On peut pas totalement... Déjà qu'on lui reproche de transformer Cendrillon, s'il transforme totalement. Alors, ça s'appelle même plus du tout Cendrillon. Mais c'est ce que je vous dis, que c'est pas vrai. Vraiment moderne. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Ok, mais c'est Cendrillon, quoi. Mais non, mais avec toi, alors Adam et Ève, au moment où il y aurait la pomme, elle répondrait quoi? Et pas tant connard, j'ai pas besoin de mec chez moi. Et... Mais non, ça c'est pas avec moi, c'est avec toi. Vous y croyez au prince charmant, Isabelle? Moi, oui. Pas du tout. Moi, oui. J'ai 76 ans. Et j'ai toujours cru. Et j'y crois encore. Et croyez-y, les filles. Gérard Miller. Il y a quelque chose de formidable dans Cendrillon, c'est l'histoire, et puis c'est la baguette magique avec laquelle on réussit à faire des miracles. Et je dois dire que j'ai aujourd'hui la baguette magique en question. Eh ben, ça te change. Et cette baguette magique, je dois dire... Laurent, je pense que vous serez content que ça se passe dans votre émission, puisque c'est un scoop, c'est la baguette magique de notre Premier ministre. Eh bien, voilà... J'ai découvert, grâce à M. Raffarin, la méthode Cendrillon pour le problème des retraites. Vous prenez par exemple quelqu'un qui va peut-être bientôt être à la retraite. Est-ce que vous voulez bien venir une seconde avec moi? C'est gentil pour vous, monsieur, qui a 25 ans. Non. Voilà. Vous avez là... Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Jean-Claude. Bon, je pense que ce n'est pas une insulte que de dire que d'ici quelques années, vous serez à la retraite. Oui. Qui va payer la retraite? Eh bien, Monsieur Raffarin a trouvé la méthode. Il faut simplement un drap. Et regardez à quel point c'est simple. Est-ce que je peux vous demander, assis, à devenir avec moi, puisque vous avez le coup de main? On vous recouvre quelques instants. Jean-Claude, on le quitte à quelques années de la retraite. Vous imaginez ce qui va nous coûter d'ici quelques temps. Avec la baguette de Cendrillon, je vous demande juste de faire un tout petit coup sur Jean-Claude. Pas trop fort, Assia. Pas trop fort. Et... Alors là, je le précise, on fait un petit trucage. Les spectateurs ne verront pas. Ah, l'escroc! Et je compte. Et je compte. 1, 2, 3. Et à la place de Jean-Claude, regardez. Voilà, 25 ans. On a là quelqu'un qui doit avoir une vingtaine d'années, c'est-à-dire qui peut encore bosser pendant 40 ans. C'est la méthode Raffarin. Elle vous plaît pas? Non, Gérard, c'est quoi? On va garder les images du moment où vous avez remplacé le vieux monsieur par le jeune monsieur. Et on dira ça, c'est la méthode de l'illusion socialiste. Cindy est au Palais des Congrès. Vous avez signé jusqu'à quand? Combien de temps vous devez chanter dans cette comédie musicale? Je sais pas, tant que ça m'amusera de le faire. On continuera. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu des tas de rumeurs sur Cindy. On dit que l'âme allait s'en aller. Finalement, elle est toujours bien là sur scène tous les soirs. Mais elle n'a jamais été question, surtout. Jamais. On a dit qu'elle s'était fâchée avec vous toutes les deux. Bah, non, il y a une très, très bonne entente entre nous. Amis. Et ça, on tient vraiment à le dire. C'est vrai? Je suis bien placée pour en parler parce que j'ai vécu 3 mois dans un château avec des gens qu'on n'avait pas forcément choisi, c'était pas évident. Et là, je m'en trouve depuis 3 mois avec des gens que j'adore. Ça, c'est des journalistes qui sont venus aux répètes, ils ont vu les répètes, ils ont vu Cendrillon qui s'engueulait avec ses deux sœurs, puis ils en ont conclu que... Voilà, c'est ça? Ils ont pas tout compris. Voilà. Hey, t'as vu comme je sais t'enrober ça, moi, hein? Tu pourras me remercier, Plamondon. Gérard Miller. Si c'est le moment un peu vérité de cette séquence, bon, Karine, quand vous êtes sur le plateau, on a toujours envie de savoir comment les choses se sont vraiment passées. Est-ce que vous êtes toujours sous contrat avec la chaîne qui vous a... organiser finalement votre carrière ou pas? Est-ce que ça, je peux vous le demander? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, vous ne pouvez pas complètement dire la vérité. Parce que ce qui me frappe, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens. Je vais vous dire, peut-être d'ici 1 an ou 2 ans, vous ne serez plus sous contrat. Moi, j'en ai rencontré plusieurs, dont Stevie, qui ne sont plus sous contrat avec les gens
qui vous ont fabriqué, il n'y a aucune offense à ça. Bah, et merci, je suis frappé, non, mais qui vous ont fabriqué, qui a contribué à faire votre notoriété. Et je suis frappé, ben, je peux prendre, Stevie, je te prends au mot, tu as été par exemple fabriqué, à mon avis, entre autres, par quelqu'un comme La Roche-Joubert, qui était une productrice avec du talent. Dis-moi franchement, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses d'elle, par exemple? Ce que je pense d'Alexa La Roche-Joubert, franchement. Oui, franchement. Je la trouve snob, prétentieuse et hypocrite. Et voilà, c'est voilà. Tout ce qu'elle sait faire, c'est planter des couteaux dans le dos des gens. Mais moi, j'ai envie de lui dire, si elle regarde ce soir la télé, il y a toujours le revers du bâton. Et attention à toi. Et pourquoi voilà, tu t'en étais pas rendu compte plus tôt, par exemple? Ah, mais moi, je n'ai jamais pu l'encadrer. C'est simple. Depuis le début. Moi, dans Love Story, il y avait une personne que j'aimais vraiment, parce qu'elle c'était quelqu'un de sincère. Quand on n'avait pas le moral, elle était là. Quand on n'avait pas le moral, par exemple, à 2h du matin, elle venait au loft à 2h du matin, et c'est Angela Lorente. Elle n'a jamais levé le petit doigt. Tout ce qu'elle a réussi à faire, ça nous entourloupé, pour être correct. Alors, Karine, voilà. N'attendez pas 2 ans, balancez tout de suite. Non, pour l'instant, moi, j'ai pas... Mais non, boîte de prod, hein, je crois. Non, mais elle s'occupait quand même de nous, donc... Oui, c'était votre directrice. Voilà. Mais non, il n'y a pas eu de problème. Moi, je sais que les gens qui étaient, en fait, dans les salles d'interview étaient très présents, c'est vrai. Donc, elle avait plutôt le côté très strict de la directrice. Donc, c'est vrai que si on avait un problème, elle nous a dit elle nous disait de venir, mais on allait plutôt voir les gens qui étaient plus aptes à ça. Mais j'ai pas eu de problème réel avec elle. Ça s'est plutôt bien passé et... Tant mieux, maintenant, tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde, ce qui est logique. Et un petit test vie, pour conclure, parce qu'on va se détendre là. C'était des questions difficiles qu'on vous a posées. Ça a été, bon, ça, vous... ça a été. Allez, elles sont cool, les filles. Ouais. Hein. Ah, cool, vous êtes cool, toutes les deux. Hein. Vous pouvez me chanter Un jour, mon prince viendra, vous? Non, parce qu'il est déjà venu, donc je ne le chanterai pas. Ah, merde. Voilà. Et vous, Asia? Moi, je ne connais pas les paroles. Ah, merde. C'est vachement compliqué. C'est Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira de me dira. Si vous et si tendre. Essayez, Isabelle, vous voir. Non. Non. Même si j'insiste un petit peu. Non. Même si c'est moi votre prince charmant. On s'en rendu compte. Hein. Ah la garde. Avant qu'on vous retrouve sur scène au Palais des Congrès, en album avec l'album Cindy, en single avec Samedi Soir au Galaxy. Ça, c'est un duo que vous faites toutes les deux. Ça, c'est quoi, ce qu'on m'a donné, là? C'est le programme, ça? C'est... Non, c'est le classeur. C'est le classeur. C'est le classeur où il y a donc toute la biographie des chansons. Alors, donc, on va... Cindy au Palais des Congrès, avant de venir vous voir, vous allez rester encore un instant avec nous. D'accord. Pour jouer au... Kikaviki. Premier Kikaviki, à vous de retrouver qui est sur cette photo. Alors ça, c'est Mélenchon. Bravo Isabelle Alonso. Ah, on voit les militants que sont Isabelle Alonso et Gérard Miller. Pourquoi Mélenchon? Vous pouvez expliquer? Parce qu'il vient de créer un nouveau courant au Parti Socialiste avec Emmanueli qui s'appelle le Nouveau Monde, un courant très à gauche. Ça vous fait rire ça, Isabelle? Oh, c'est nul, la Maison Bleue, maintenant le Nouveau Monde. Les chiennes de garde, c'était une création originale. Au moins, ça veut dire quelque chose. On va laisser s'engueuler. Hein. Oh. Autre kikavuki. Elvis. Non. C'est dans quel magazine? C'est dans un journal paru aujourd'hui, c'est en plein dans l'actualité. C'est quelqu'un qui était très, très heureux. Michael c'est Jackson, footballeur. Un footballeur. Un footballeur de Lyon. De Lyon, bravo Isabelle. Ah. Le 6. Le 7. Non, le 32. Le 32. Le 9. Le 9. Je ne sais pas si c'est le 9, mais en tout cas, normalement, il devrait porter ce numéro. Anderson. Bravo Isabelle Mergo. Anderson, meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. Alors là. Vous n'avez pas regardé le match, hein, mais c'était il a marqué, non mais des 20 mètres, un but. Mais alors. Et oui, et c'était un match à l'extérieur, il jouait dehors. Exactement, en Italie. On voit que c'est des vrais professionnels déjà, parce qu'elles ont l'air de s'intéresser à quelque chose qui manifestement les dépasse comme moi. Qui nous dépasse. Dire. Mais j'aime beaucoup le foot. Oui. Ah, vous voyez. Autre qui a vu qui? Ah, c'est plein. Cabu. Plantu, pas Cabu. Plantu. Je l'ai dit d'abord. Mais il a pas dit Plantu. Eh bien, moi, je l'ai dit. Oui. Bravo, Claude Sarro, j'allais le dire. Tiens. Est-ce que vous savez pourquoi Plantu, Claude Sarro? Parce qu'en en fait, c'est 30 ans au Monde. Voilà, 30 ans de collaboration au journal Le Monde. Ça fait 30 ans qu'il dessine sa petite souris et tous les petits bonshommes de la vie politique française et internationale. En première page. En première page du Monde. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà... je vois David Pujadas qui est déjà prêt dans son studio. Ah oui, mais il est ponctuel. Bon, bah, alors, en tout cas, bravo à toutes les deux. Bravo pour vos voix à l'une et à l'autre. Merci. Karine et Asia. Et nous, on se retrouve demain vers 18h55. Bye bye, bonne soirée, restez sur France 2.